Ok, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وإن شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc aujourd'hui on peut dire que c'est le premier cours qu'on va faire au sujet d'un livre qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, et le titre du livre c'est Al-Zawaj, c'est-à-dire le mariage. Il y a plusieurs raisons qui m'ont incité à parler de ce sujet-là. J'en ai parlé un peu hier, j'ai expliqué un peu au frère pourquoi j'ai voulu parler de ça. Puis je vais essayer de faire comprendre encore une fois la raison pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là maintenant. Bon, c'est parce que d'après ce que j'ai remarqué, c'est que au sujet du mariage, il y a des gros problèmes dans la communauté des musulmans ici à Montréal, mais c'est pas seulement à Montréal. C'est en Amérique du Nord, en tout cas au Québec, en tout cas j'ai remarqué ça, puis en Europe aussi, d'après ce que des frères m'ont dit. Okay. Et puis, c'est des problèmes qui n'ont pas raison d'être en réalité, c'est-à-dire c'est des problèmes qui ne sont pas supposés d'exister dans notre communauté. Pourquoi? Parce que l'islam a parlé de ce sujet-là, puis a réglé les problèmes qui entoure cette question. Et donc, il n'y a pas d'excuse et il n'y a pas de raison pour nous, les musulmans, d'avoir des difficultés et des problèmes à appliquer cet aspect-là de notre religion. Et s'il y a dans notre communauté ou bien entre nous, les musulmans, des difficultés en ce qui concerne la question du mariage, c'est, en particulier chez les jeunes, c'est uniquement parce qu'on s'est éloigné du Coran et de la Sunna. Parce que si on retourne aux explications et aux enseignements du Coran et de la Sunna, c'est certain qu'il ne peut pas y avoir ou ne peut pas exister une situation telle qu'elle existe actuellement, sur le plan de la difficulté que les musulmans ont à se marier. Il y a des difficultés avant le mariage, du fait que les difficultés de faire en sorte que deux personnes arrive à se marier, puis ça c'est des difficultés sur plusieurs plans, difficultés sur le plan économique, difficultés sur le plan parfois social, puis difficultés aussi sur le plan religieux, ok. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont réunies, puis l'islam elle a parlé de ces problèmes-là, puis elle les a résolus par différents moyens puis de différentes façons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va essayer d'identifier ces différents problèmes qui existent parmi nous maintenant, et puis essayer de déterminer puis d'expliquer les réponses à ces problèmes-là qui existent dans le Coran et dans la Sunna et dans les explications des ulama de l'islam. Parce que, comme on sait tous, l'islam a encouragé les jeunes à se marier. Puis, bon, bien entendu, c'est quelque chose qui fait partie même de la nature humaine, que l'homme
il cherchera toujours à trouver une compagne pour partager sa vie, pour établir une famille, hein, pour se reproduire, avoir des enfants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tout ça, ça fait partie des sagesses et des raisons pour lesquelles les êtres humains cherchent toujours à se marier. Bon, et en particulier, les musulmans vivant dans une société comme la société dans laquelle on est actuellement, une société qui n'est pas musulmane, ok, et ça, ça amène des défis encore plus grands pour une communauté musulmane, parce que on est entouré de gens qui ne se limitent pas aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les interactions, puis dans les relations entre les hommes et les femmes. Donc ça amène toutes sortes de problèmes supplémentaires, ok, puis des difficultés supplémentaires auxquelles on doit faire face, et donc tout ça, on va essayer d'aborder toutes ces dimensions-là, tous ces aspects-là, puis j'aimerais essayer de toucher à tous les points, hein, j'aimerais essayer de toucher à tous les points les plus importants qu'on observe dans la société actuelle. Je parle en particulier de Montréal puis du Québec. Et donc, étant donné que je veux toucher à tous les points possibles, je vais vous demander en même temps que lorsque, par exemple, si vous remarquez que, par exemple, j'ai oublié quelque chose que vous avez remarqué vous-même, dans le contexte de qu'est-ce qu'on vit actuellement, ben de me le faire savoir, comme ça, ça va augmenter le bienfait et le profit qu'on va en retirer, parce qu'on va pouvoir cerner les questions, les différents problèmes, puis amener le plus de solutions possibles à ces questions-là, inshallah. Donc, avant toute chose, je pense que c'est important, avant de parler du mariage, du sujet du mariage dans l'islam, qu'on appelle al-nikah en arabe, ou bien on appelle aussi al-zawaj. Bon, avant de rentrer dans ça, je pense que c'est important de comprendre également, parmi les choses qui nous incitent, ou qui fait en sorte que le mariage est encore plus important, c'est que on sait que dans l'islam, tout rapport entre hommes et femmes en dehors du mariage est haram, ok, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit al-zina, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-zina, c'est-à-dire la fornication et l'adultère. La fornication, c'est un homme qui a des ou une femme qui ont des rapports ensemble avec un homme qui a un rapport avec des femmes, une femme qui a un rapport avec un homme, c'est-à-dire des rapports sexuels en dehors du mariage. Ok? Si, wa alaykum salam wa rahmatullah, si un des deux est marié, si les deux sont mariés, ça c'est c'est l'adultère, c'est al-zina. Mais en arabe, comme j'avais expliqué une fois, c'est que, en arabe, il y a un seul mot pour les deux. L'adultère, la fornication, c'est le même mot. Sauf qu'on les distingue en ajoutant quelque chose pour les distinguer. Comme par exemple, on va dire zina al-muhsan, puis on va dire zina al-muhsan, c'est-à-dire celui qui est marié, il est protégé, donc, et il a commis le zina, commis l'adultère. Donc on l'appelle, en français, on l'appelle adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà marié, qui a des rapports sexuels avec une autre personne, qui est mariée ou non. Tandis que la fornication, c'est quelqu'un qui a des rapports sexuels avec quelqu'un, mais qui n'est pas marié. Avant le mariage, il est célibataire et a des rapports sexuels avec une personne, qui est célibataire ou non. Al-Sayyib Zani, ça c'est la personne qui est mariée. C'est la personne qui est mariée. Donc c'est ça la différence entre les deux. Mais les deux sont haram. C'est sûr que quelqu'un qui fait le zina, alors qu'il est déjà marié, c'est un péché qui est beaucoup plus grand
quelqu'un qui est marié déjà, qui fait le zina, qui a des rapports sexuels avec une femme en dehors du mariage, ou bien il est marié mais il a des rapports sexuels avec une femme avec qui il n'est pas marié, ça c'est plus grave comme péché que quelqu'un qui a des rapports sexuels et qui n'est pas marié. Parce que celui qui est marié, il est protégé. Celui qui est déjà marié, il est protégé. Parce qu'il peut assouvir ses désirs avec sa femme. Tandis que celui qui n'est pas marié, c'est grave, mais c'est pas aussi grave que le premier. Puisque lui, il n'est pas protégé de la même façon que le premier. D'accord? Donc, avant de parler du mariage, je vais parler du danger de qu'est-ce qui a rapport avec l'adultère et la fornication. Et tous les rapports qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme avant le mariage. Et donc, ça, je pense que c'est très important d'en parler. Comme ça, ça nous aide à comprendre par la suite l'importance de se marier pour se protéger de ce péché-là. Ok? Donc, j'ai trouvé un chapitre dans le livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, c'est le livre qui s'appelle Adda ou Ad-Dawa, qu'on appelle aussi Al-Jawab al-Kafi, ok, c'est-à-dire le remède pour la maladie, ok, ou la réponse suffisante pour celui qui demande au sujet d'un remède. Ok, donc, الشيخ يقول لما كانت مفسدة الزنا من أعظم كان عندك ملاحظة أوكي داكور ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر وسيسه. Donc le cheikh il explique que le péché de al-zina c'est un des plus grands péchés et il a des effets vraiment dangereux et dévastateurs en fait. Ça amène beaucoup de mal dans la société et ça s'oppose à tout le bien de l'organisation du monde, en fait. L'organisation des sociétés, ça vient s'opposer et détruire complètement tout le bien qui vient de l'organisation d'une société et du monde entier, en fait. Parce que dans le fait de faire le zina, ça vient détruire les rapports de sang que les gens ont entre eux, hein, les liens de parenté. Okay, parce que quand les gens font la fornication ou l'adultère, ben ça amène des enfants en dehors du mariage. Et donc ça fait en sorte que des enfants rentrent dans ta lignée qui n'en font pas partie, hein, et etc. Donc on va expliquer des détails de ça plus tard. Également, ça vient s'opposer à la protection des parties génitales, hein, comme le cheikh dit « Himayat al-Furuj ». Parce que quand quelqu'un est marié, il protège ses parties de tomber dans le zina et il fait ses rapports sexuels uniquement avec sa femme et donc dans ce cas-là il est protégé et sa femme est protégée aussi. Tandis que lorsqu'il sort de ça, eh ben il perd sa protection. Et c'est ça ce qu'on voit actuellement par exemple du fait qu'il y a des dizaines de maladies qui se transmettent entre les gens à cause de ça. Si les gens restaient à l'intérieur du mariage, ces maladies-là ne pourraient pas se propager de la même façon qu'elles se propagent actuellement. D'accord? De protéger l'honneur et qu'est-ce qui est sacré entre les gens. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Parce que les rapports qui sont intimes entre un homme et une femme, c'est quelque chose de sacré, hein. Et tout ce qui vient avec, hein, si on tombe dans le zina, eh bien ça vient tout détruire ce qu'il y a de sacré autour de ces relations-là. Dans le sens qu'il faut avoir un respect pour ces rapports qui existent entre un homme et une femme. Et en dehors du mariage,
le respect qui existe, qui doit exister, il n'est pas là. Ok? Également, le fait qu'il y ait des rapports en dehors du mariage entre les gens, ça amène quoi? Ça amène, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça amène de la haine et de l'animosité entre les gens. Ok? Et ça détruit la femme, ça détruit en réalité la famille et la femme. Et ça détruit également, par exemple, quand quelqu'un fait la fornication ou l'adultère avec une femme, et bien cette femme, c'est soit que c'est la fille de quelqu'un, ou bien soit que c'est la sœur de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, ou la tante de quelqu'un, etc. D'accord? Cette femme avec qui il fait qu'est-ce qui est haram, eh bien, elle a quand même un rapport avec toi. Hein? Et donc, il n'y a personne qui aimerait qu'on fasse l'adultère ou la fornication ou qu'on attaque l'honneur de quelqu'un de proche, comme sa sœur ou sa mère ou bien sa fille. Hein? Personne voudrait que quelqu'un touche et attaque l'honneur de ses proches. Et donc, quelqu'un qui se permet de le faire aux filles des autres, ou aux sœurs des autres, ou aux mères des autres, etc., eh bien, il ouvre la porte vers tout ce qui peut amener de l'animosité et de la haine entre les gens, qui amène de la colère entre les gens, de la haine, et ça amène par la suite à tomber dans des actions de revanche, qui peut même aller jusqu'au meurtre parfois. Parce que quand quelqu'un sait que qu'une personne a atteint l'honneur de sa sœur, ou l'honneur de sa fille, ou etc., ça peut l'amener à transgresser la limite à cause de la colère, et à tomber même dans le meurtre, hein. Comme la discussion dont on a parlé hier. Ok? Donc ça, c'est des choses bien entendu qui sont, c'est pas permis de transgresser ces limites-là, de se venger de cette façon. Mais c'est ça ce que ça amène dans la société, d'accord? Même les gens qui sont pas musulmans, qui vivent dans la mécréance, qui connaissent pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont quand même se mettre en colère si quelqu'un touche à sa fille ou à sa femme, ou à sa sœur ou quelque chose comme ça, hein? Et il va essayer de faire quelque chose pour retrouver ou venger ou défendre son honneur qu'il a perdu, d'accord? Et même des fois, les kuffars, ils vont être dans un endroit public, et comme on sait les kuffars, comment ils aiment parfois exhiber leur femme devant les gens, hein? Si sa femme sort dehors avec lui, il aime montrer à tous les autres hommes les charmes de sa femme pour qu'il soit envieux de lui, hein. Ça c'est une mentalité renversée, hein. Donc si un autre homme vient approcher sa femme, hein, parce que lui-même il a été une walaikum salam Allah, il a fait en sorte que il a ouvert la porte à ce que des hommes par exemple aient envie de la regarder et aient envie de lui parler. Une fois que cette chose-là se produit, là il se fâche, et là peut-être même il va arriver jusqu'à poser des gestes de violence pour défendre son honneur. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est pour montrer donc que ça amène à des conséquences qui sont très négatives. Regardez l'histoire de l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, ô messager d'Allah, permets-moi de faire az-zina, permets-moi de faire la fornication. Et l'homme, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que toi tu l'accepterais pour ta fille, ou pour ta mère, ou pour ta sœur? À chaque fois, le jeune a répondu non, non, non. Hein? À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait un exemple d'un des hommes d'une femme de sa famille, le jeune lui répondait non, moi je n'accepte pas pour ma sœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, il dit, alors mais si toi tu n'acceptes pas pour ta sœur,
et tu l'acceptes pas pour ta fille, et tu l'acceptes pas pour ta mère. Mais comment tu peux accepter pour la sœur de l'autre, et pour la fille de l'autre, hein, et pour la mère de l'autre, etc. Hein? Donc c'est une contradiction. Tu souhaites le bien pour toi-même, puis avec les filles des autres, tu veux faire le mal. Hein? Et donc c'est ça ce qu'on voit maintenant, par exemple, quand tu vois des gens tomber dans ces genres de péchés-là dans la société, c'est parce qu'ils ont manqué de respect envers les filles des autres et les femmes des autres, et lui-même, il ne veut pas qu'on attaque son honneur et qu'on touche à ses propres filles et ses propres femmes. Donc ça veut dire un manque de respect envers les autres, hein, et de ne pas penser plus loin que à sa propre personne. Hein. Donc c'est une sorte d'égoïsme en même temps, puis de manque de respect envers les autres. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et tout ça, ça amène à la destruction de la société en même temps. Ok, ça montre la grandeur de ce péché-là et le danger de ce péché-là. Et donc, quand on regarde dans les textes du Coran et de la Sunna, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé ou il a mis en relation, quand on regarde les différents péchés dont il a parlé, des fois quand il a parlé de zina, il l'a mis juste après le meurtre. Après avoir parlé du meurtre, tout de suite il parle de la fornication et de l'adultère. C'est pour montrer que c'est très grave, c'est très dangereux. Tandis que pour des koufars, pour eux le meurtre c'est considéré comme un crime, mais pour eux la fornication et l'adultère c'est légal. Et ils disent que lorsque deux personnes sont consentantes, sont adultes et sont consentantes, eh bien il n'y a aucun mal du fait qu'ils aient décidé de faire l'adultère et la fornication. Hein? Et donc ça montre l'égarement de ces gens-là dans leur conception, dans leur mentalité, dans leur façon de penser. Hein? Parce que c'est comme l'exemple qu'on a dit du hadith tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas de respect pour les autres et qui pensent juste à leur bien-être personnel. Hein? Donc, le Cheikh ensuite il dit ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه بها في كتابه ورسوله في سنته كما تقدم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, il a mis le péché du shirk, ensuite le meurtre et ensuite en troisième position le zina. Donc ça nous montre que c'est un des grands péchés. Comme le cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ahmad qui dit « La a'lamu ba'da qatl al-nafs shay'an a'zamu min al-zina » C'est-à-dire l'imam Ahmad qui dit « Je ne connais rien après le meurtre que de plus grand que la fornication ou l'adultère, al-zina. » Ok. Et ensuite il dit « وَقَدْ أَكَّدَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ بِقَوْلِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Donc le chef il mentionne le verset 68 et 70 dans Sourate Al-Furqan, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé l'interdiction de la fornication et de l'adultère en disant « Et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas une âme excepté en juste droit, hein, et qui ne tuent pas une âme que Allah a interdit de tuer excepté s'il y a un juste droit, et qui ne font pas le zina, voilà yaznoun, et celui qui fait ça il aura un grand péché et on lui doublera son châtiment au jour du jugement dernier, et il sera là-bas pour une durée très longue, et il sera humilié dans le feu, excepté celui qui s'est repenti. Donc, le cheikh il dit, فَقَرَنَهُ بِالشِّرْكِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَجَعَلَ جَزَاءَ ذَلِكَ الْخُلُودَ الْخُلُودَ فِي الْعَذَابِ الْمُضَاعَفِ وَلَمْ يَرْفَعِ الْعَبْدُ
موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح وما ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. الله il a mis donc le shirk et de tuer les gens tout de suite après il a parlé du zina. Donc ça montre la grandeur du péché parce que le shirk c'est le plus grand péché comme on le sait et de tuer par la suite ça aussi c'est un des plus grands péchés et tout de suite après il nous a parlé de zina. Tant que la personne ne s'est pas repentie d'avoir commis ce péché-là, il est menacé de demeurer dans l'enfer, hein, de demeurer dans l'enfer et d'avoir un châtiment qui est doublé ou multiplié pour lui. Et ensuite le chef il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez pas, hein, n'approchez pas, écartez-vous du zina. C'est-à-dire, toute chose qui peut vous amener à tomber dans le zina, écartez-vous-en. Hein, écartez-vous-en. Parce que c'est quelque chose qui est fahisha. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est laid. Un péché qui est laid et qui est loin du droit chemin. Qui vous écarte du droit chemin. Le cheikh, il dit donc, par la suite, ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Maintenant, le chef il a donné un autre exemple. Il a dit que il a parlé de ceux qui mariaient les épouses de leur père. Et il a décrit que ça c'était encore plus laid. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a mentionné comme quand Allah parlait du zina, il a dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et quand il parlait du péché de celui qui marie la femme de son père, c'est encore plus, il a rajouté une autre description en disant que c'est maqtan, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en plus d'être une fahisha. Donc c'est pour montrer que c'est quelque chose de grave. Et ensuite il dit وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له الى الفلاح بدونه. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Donc le chef explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala a relié le succès du serviteur au fait qu'il a préservé ses parties génitales de tomber dans qu'est-ce qui est haram, dans le péché. Hein? Et donc, tu peux pas avoir le succès dans ta vie et arriver dans le Jannah, arriver au paradis, excepté si tu as préservé tes parties génitales de ce que Allah t'a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants ont certes eu le falah, ils ont eu le succès. Hein? Ceux qui ont été humbles et concentrés dans leur prière, et ceux qui se sont détournés de toutes les distractions et les choses qui sont futiles, et ceux qui ont donné la zakat, et ceux qui ont préservé leur partie génitale, excepté pour leurs femmes, hein, ceux qui ont préservé leur partie, mais ils ont eu uniquement des rapports sexuels avec leurs épouses, ou avec ma malakat aymanuhum, c'est-à-dire ce que leur main droite possède, c'est-à-dire les esclaves qu'ils possèdent, ok? Parce que pour eux, il n'y a pas de blâme. Mais celui qui essaie d'aller au-delà de ça, hein, qui essaie d'avoir des rapports sexuels en dehors de cette limite, hein, en dehors de ses épouses et de ses femmes qu'il possède parmi ses esclaves, eh bien ceux-là sont les transgresseurs. Ulaika humul adun. Allah les a déclarés comme étant des transgresseurs. Le cheikh dit فهذا يتضمن ثلاثة أمور أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين.
فاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في النوم. Donc, celui qui a fait le zina et qui n'a pas préservé ses parties génitales de tomber dans le zina, eh bien, il y a trois choses qui sont rappelées dans ce verset-là à son sujet. Premièrement, il ne fait pas partie de ceux qui ont le succès. Parce qu'Allah a mentionné que ceux qui ont le succès, c'est ceux qui préservent leur partie. Donc, il ne fait pas partie des gens qui auront le succès. Deuxièmement, il est parmi ceux qui sont blâmés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui font ça avec leurs épouses et ce que leur main droite possède, leurs esclaves, ceux-là ne sont pas blâmés. Donc, ceux qui le font en dehors de ça, ceux-là sont blâmés. Et donc, deuxièmement, ils font partie de ceux qui sont blâmés. Et troisièmement, ils sont décrits comme étant des gens qui ont transgressé, dépassé la limite. Al-Adou, ok. Donc ça, c'est trois blâmes que Allah a fait au sujet des gens qui n'ont pas préservé leur partie contre ce que Allah a interdit, comme Al-Zina par exemple. Après le cheikh il dit, وَنَظَرًا هَذَا أنه سبحانه ذم الإنسان على أنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء بل إذا مسه الخير منع وبخل وإذا مسه الشر جزع إلا من استثناه الله بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit qu'il a blâmé l'être humain en disant qu'il est créé halwa, ok, c'est-à-dire il n'est pas patient l'être humain, il n'est pas capable d'endurer, peu importe dans quelle situation, dans quel état il n'est pas capable d'endurer et d'être patient. Quand il a de l'aisance et quand il est il a la richesse et de l'aisance et du bien, il n'est pas capable de patienter et d'endurer cet état-là. Et quand il est dans les difficultés et dans les problèmes et dans les malheurs, il n'est pas capable d'endurer non plus. Hein? Donc Allah l'a décrit comme étant halour. Hein? Et il a décrit par la suite en donnant l'exemple, il a dit "Iza massahul khayr manoua." Quand du bien lui touche, il ne donne pas aux gens. Quand il a des richesses qu'Allah lui donne, il refuse de donner, il devient avare. Et quand un mal le touche, eh bien, il se plaint. Hein? Il commence à se plaindre et à critiquer et des choses comme ça. Donc, peu importe dans la situation dans laquelle il est, que ce soit dans le bien ou dans le mal, il n'est pas satisfait, excepté ce que Allah a mentionné comme étant des exceptions à cette règle-là, et il a mentionné parmi eux ceux qui préservent leur partie, hein, leur partie génitale de ce qui est haram, excepté avec leurs épouses et ce que leur main droite possède. Alors ceux-là, il n'y a pas de blâme pour eux, et ceux qui dépassent cette limite-là et qui vont au-delà de ça, ben ceux-là sont ceux qui ont transgressé. La même chose que dans le verset de Surat al-Mu'minun. Et ça, c'est dans Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, verset 29 à 31. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ أَنْ يَأْمُرَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَضِّ أَبْصَارِهِمْ وَحِفْظِ فُرُوجِهِمْ وَأَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِأَعْمَالِهِمْ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Le cheikh explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de baisser leur regard. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم أو يغضوا من أبصارهم. C'est-à-dire dit aux croyants qu'ils baissent leur regard quand il y a quelque chose de haram, baisser ton regard, et de préserver leur partie génitale,
Hein, donc ça veut dire de garder leur partie génitale, de ne pas tomber dans les relations sexuelles qui sont haram, hein, en dehors du mariage. Et d'apprendre et de dire aux croyants, Allah a ordonné également à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux croyants que Allah est témoin de toutes les actions de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, de faire attention à qu'est-ce que tu regardes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 19 dans Surah Ghafir qu'il connaît l'œil qui trahit. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Il connaît la trahison de l'œil. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Et ce que cachent les âmes et les cœurs, les poitrines. Et dans les poitrines, il y a les cœurs. Donc, c'est-à-dire, l'œil qui trahit, c'est-à-dire qui regarde à quelque chose de haram sans que les gens s'en aperçoivent. Ok? Donc, des fois, par exemple, comme c'est mentionné dans le tafsir de Ibn Kathir et d'autres, quelqu'un peut être avec l'autre et aller. Quand les gens ne sont pas concentrés sur lui, il tourne son regard, il regarde quelque chose de haram. Puis, quand il voit que les gens se tournent vers lui ou sont concentrés sur lui, il détourne son regard. Donc, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils regardent, mais Allah sait qu'est-ce qu'ils regardent et il sait qu'il a trahi avec ses yeux et il sait que ce que son cœur a caché. D'accord? Et après le cheikh dit ولما كان مبدا ذلك من قبل البصر جعل الامر بغضه مقدما على حفظ الفرج فان الحوادث مبداها من النظر كما ان معظم النار من مستصغر الشرر مستصغر الشرر. Donc le cheikh il dit que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle du regard et ordonne de baisser le regard, c'est parce que la plupart du temps le zina commence par le regard, ça commence toujours par le regard, ok. Et donc étant donné que c'est par le regard que ça commence, Allah nous a donc commencé par nous interdire de regarder qu'est-ce qui est haram avant de nous dire de préserver nos parties génitales, parce que ça commence par les yeux. Puis souvent, qu'est-ce qui nous amène au feu, c'est souvent des petites choses, puis des petites choses amènent à des plus grandes, ok. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de faire attention à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné même des conseils à ses compagnons parmi les sahaba. Il a dit par exemple dans un hadith qui est hassan, rapporté par Abu Daoud, « La tutbi'i nazrata nazra, fa'innama laka l'oula wa laysat laka l'okhra. » C'est-à-dire, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, parce que tu as le premier est pour toi, mais le deuxième est contre toi. C'est-à-dire, le deuxième, il n'est pas en ta faveur, il est contre toi. C'est-à-dire, le premier regard, le regard qui est fait sans faire attention, c'est-à-dire tu tournes, tu vois quelque chose haram, tu vois une femme qui n'est pas couverte, ok, ça c'est le premier regard que tu as eu, tu n'as pas fait exprès, c'était pas conscient, c'était pas volontaire, mais là tu te retournes, mais là si tu retournes encore ton regard vers cette femme, ce deuxième regard-là il n'est pas pour toi, il n'est pas en ta faveur, c'est-à-dire là tu vas avoir accumulé un péché pour ça. Et le cheikh ensuite il mentionne également un autre hadith, ce hadith là il est toutefois, oh, il y a un hadith qui est mentionné ici qui ordonne de baisser le regard. Puis également il y a le hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim au sujet des règles qui, en ce qui concerne le fait de rester sur les route, quand il y a le chemin, ou bien le trottoir ou la rue, elle a des règles, elle a des droits à respecter, ok. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à des compagnons quand ils étaient réunis sur le chemin, il leur a dit « Iyyakum wal-julus fi turqat » قالوا يا رسول الله
مجالسا مجالسنا مجالسنا ما لنا بد منها. قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. دونك صفت الحديث كي nous explique comment agir quand on est sur la voie publique ou quand on est dehors. Hein, on est assis en groupe ou des choses comme ça, comment on doit agir, il y a des droits à respecter pour la rue, quand on est dans la rue. Il a dit premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites attention ou bien évitez de rester dans les rues et de vous asseoir dans la rue. Alors les gens ont dit, oh messager d'Allah, on n'a pas d'autre choix que de se réunir là parce que c'est ici qu'on se réunit pour parler et discuter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous n'avez pas le choix, ou bien si vous devez faire ça, alors donnez à la rue ou au chemin son droit. Et ils ont dit, c'est quoi le droit de la rue? C'est quoi le droit du chemin? Hein? Ben, ils ont répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, c'est de baisser le regard et de cesser de faire des choses qui peuvent nuire aux gens, kafrul adha, et de donner le salam aux gens, quand c'est des gens qui passent, de leur donner le salam, ou bien de répondre au salam, pardon. Oui, c'est ça. Donc, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici, c'est de baisser le regard, parce que c'est certain qu'il y a une femme qui va passer, ou bien plusieurs femmes qui vont passer de temps en temps, et donc de baisser le regard lorsque ça se présente. وَالنَّظَرُ أَصْلٌ عَامٌ عامة والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد وما لم يمنع منه مانع. الشيخ الزيد ça commence toujours par le regard, comme on avait dit tout à l'heure, et c'est la base de toutes les actions et tous les incidents qui se produisent par la suite. Le regard, ça amène quoi? Ça va amener une suggestion dans ton esprit, dans ton cœur. Puis cette suggestion va t'amener à penser. Puis cette pensée va t'amener à désirer, à avoir des envies. Et cette envie va t'amener à vouloir, hein, à réagir. Et ensuite, ce vouloir-là, le fait que tu veux, ça va augmenter, ça va devenir plus fort jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, c'est-à-dire tu deviens décidé et déterminé à le faire. Et une fois que tu deviens décidé et déterminé à le faire, cette action-là, ben là, c'est là que cette action-là va se produire et c'est obligatoire que ça se produise, excepté s'il y a quelque chose qui vient pour l'empêcher. Ok? Et c'est pour ça que il y en a parmi les gens qui ont dit, as-sabru ala radd al-basar aysaru min as-sabru ala alami ma ba'da. C'est-à-dire, c'est pas mentionné qui a dit ça, mais ça dit que d'être patient et de se retenir en baissant le regard, c'est plus facile de faire ça que de supporter ou d'endurer par la suite la douleur de ce qui vient après. Ok? Donc c'est des choses qui nous font réfléchir et qui nous font voir que le regard peut nous amener à des choses qui sont à la fin, qui auront des conséquences très graves et mauvaises. Hein, il y en a même qui ont dit que le regard c'est une flèche empoisonnée que Iblis envoie, hein, dans le cœur des gens. Donc c'est quelque chose de dangereux. Il faut faire donc attention à l'endroit où on pose nos yeux, en particulier dans un pays comme ici, ou dans un pays où les gens craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala en général. Et il y a beaucoup de péchés dans la société, en particulier lorsque, par exemple, on est dans un endroit où les règles du hijab des femmes ne sont pas respectées. Okay?
si tu es dans un pays musulman où les règles du hijab sont appliquées et respectées, même dans des sociétés comme ça, comme par exemple en Arabie Saoudite, même dans des pays comme ça, tu dois quand même baisser ton regard s'il y a des femmes qui passent. Hein? Et on peut pas s'imaginer que dans des cas comme ça, on peut dire, ah bon, si tu es dans un pays comme ça, c'est sûr que il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de tentation. Mais il y a quand même, il peut quand même y avoir des tentations et des fitnas, D'accord? Sauf que c'est sûr que c'est diminué, et beaucoup moins par rapport à une société où les femmes vont s'habiller, et aller sans se couvrir comme il faut, dévoiler certains de leurs atours, et ça c'est sans parler des endroits où les femmes s'habillent à la mode occidentale, et suivent les modes des vedettes américaines, hein, parmi les modes des koufars, qui sont créés dans le but de faire de la fitna. Hein. Donc, sinon, il y a des endroits dans les pays musulmans où des femmes ne sont pas voilées, mais sont habillées traditionnellement. C'est-à-dire, elles vont porter des longues robes, et elles vont pas mettre des talons hauts, elles vont pas mettre du maquillage. Et elles sont pas voilées, mais elles sont pas habillées pour faire, disons, c'est pas l'intention, c'est pas de faire la fitna directement. Tandis que les vêtements puis la mode que les femmes d'ici portent, non seulement elles sont portées dans le but de faire la fitna, mais celui qui a dessiné le modèle et qui a voulu le faire, son intention c'était de faire la fitna en dessinant ce modèle de vêtements-là. Hein. Et il l'a fait depuis le début pour que ce soit un objet de tentation qui va exciter les désirs des hommes. Donc, ça c'est dans une société où il y a des choses comme ça, c'est certain que c'est plus difficile de contrôler ses regards. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire plus d'efforts et essayer de tourner le regard. Il y a des exemples de ça qui sont mentionnés dans les, comme par exemple dans Sahih al-Bukhari, il y a un des salafs, un des ulama, quelqu'un lui avait demandé, je ne sais pas si c'était un sahabi, l'imam al-Bukhari a rapporté que quelqu'un lui a dit au sujet des femmes, non, des femmes étrangères, des femmes non musulmanes, il a dit, les femmes non musulmanes, elles découvrent leur poitrine, ou une partie de leur poitrine, et elles découvrent leur tête. Le sahabi, ou bien la personne en question a répondu, il a dit, tourne ton regard. C'est-à-dire, détourne ton regard de ces femmes. C'est-à-dire, ne les regarde pas, ne fixe pas ces femmes-là. Quand elles passent, regarde ailleurs. C'est-à-dire, ok? Et dans le fait, lorsque tu regardes ailleurs, c'est pour te protéger toi-même. Ok? Et comme on disait tout à l'heure, on parlait de kha'ilatul a'yun, la trahison des yeux. Des fois, il y a des gens qui veulent justement peut-être tomber dans cette forme de trahison-là, Allah musta'an, que Allah nous en protège, eh ben ils portent des verres fumés, très très foncés, hein, des lunettes foncées, comme ça, quand ils marchent dans la rue, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, personne voit où ils regardent, même la femme qui est devant lui, elle ne sait même pas si il est en train de la regarder ou non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui il est en train de regarder et où est-ce qu'il regarde. Et donc ça c'est un truc que certaines personnes utilisent pour trahir avec leurs yeux, mais yani, ils ne peuvent pas trahir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les exemples aussi qui sont mentionnés dans la sunnah, il y a des exemples de hadith qui sont mentionnés à ce sujet-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Par exemple, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Ça dit, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني, ça c'est parce que bon, c'est sûr que là le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a parlé du regard. Après, il a parlé des autres choses qui amène à faire le zina, comme par exemple la parole et tout ça, parce que on sait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, par exemple, l'œil fait le zina, l'œil fait l'adultère, et son adultère de l'œil, c'est le regard.
ok. Et ensuite, il a dit aussi que l'oreille fait l'adultère. Les oreilles font l'adultère et leur adultère, c'est d'écouter ce qui est haram. La main fait l'adultère et leur adultère, c'est de toucher. Hein. Et les jambes font l'adultère et leur adultère, c'est de marcher. Ensuite, c'est le cœur qui souhaite et qui désire. Et les parties génitales vont confirmer ou non est-ce que cet adultère-là, les différents membres, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que c'était quelque chose qui les amenait jusqu'à l'adultère ou non par la suite. Ok? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est ça par la suite qui va amener les réactions qui vont suivre. Et donc, ça, c'est pour nous dire que tout ce qui te mène à la fornication et à l'adultère, eh ben, d'une certaine façon, c'est comme si c'est pas seulement la conséquence, la dernière conséquence qui est ta crainte et qui a évité, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est en partant depuis le premier regard, puis tout ce qui peut t'amener à la conclusion qui est un zina, eh bien, ça fait partie également. C'est une portion de zina, ça aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fils d'Adam ont tous leur portion de zina qui leur a été écrit. Et ils ne peuvent pas s'en échapper. C'est-à-dire, c'est ça, c'est quelque chose qui a été prédestiné à chacun des fils d'Adam. Ok? Donc, ça veut dire que ça fait partie du qadar, en même temps. Toutefois, ça revient toujours à la personne, qu'est-ce qui est dans son cœur, de poursuivre son désir ou bien de s'arrêter. Ça, il a la décision, il a le contrôle par la suite. Et donc, c'est pour ça qu'il disait ici que la foi d'un serviteur ne sera pas ferme et stable, droite, tant que son cœur n'est pas droit, et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue n'est pas droite. Et ça, c'est l'exemple pour la langue. Et il y a des exemples aussi pour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé la question, ما يدخل الناس النار ما أن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج on lui a demandé qu'est-ce qui fait rentrer plus de monde en enfer il a répondu la bouche et les parties génitales c'est-à-dire que les paroles qui sont haram et les actes les actions de zina et des choses comme ça qui sont haram aussi. Et donc la langue et les parties génitales sont mentionnées dans plusieurs hadiths comme ça, ok, pour montrer les dangers du zina. Ok, là je vais passer par-dessus certains autres points, et là on arrive à un autre sujet, c'est relié à ça aussi, c'est disons la suite. Le cheikh, il a mentionné, il a dit, pour montrer le danger et la gravité du zina, un des moyens qu'on peut utiliser pour montrer à quel point c'est un grave péché, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour ce péché-là la peine de mort. Pour l'adultère, la personne qui est mariée et qui a des rapports sexuels en dehors du mariage, la punition pour ce péché-là, c'est la peine de mort. Mais pas n'importe quelle peine de mort. C'est pas une peine de mort comme pour celui qui tue ou bien pour un autre crime, c'est une peine de mort par lapidation. Et ça c'est beaucoup plus douloureux comme mort que de se faire trancher la tête par une épée. D'accord? Donc le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit « La yahillu dam imri'in muslimin illa bi'ihda thalath al-thayyib al-zani wal-nafs bil-nafs wal-tariku li-dinihi » Al-Mufariq lil-Jama'a. D'accord, donc le hadith a dit que le sang d'un musulman ne peut pas être répandu, c'est qu'on ne peut pas tuer un musulman, excepté pour trois raisons. Et quand on dit on ne peut pas tuer un musulman, ça ne veut pas dire que n'importe qui a le droit de tuer un de ces trois cas-là, n'importe qui parmi les musulmans, non. Bien entendu, on parle du dirigeant parmi les musulmans, ou du juge, hein, c'est lui qui va faire appliquer ces peines-là, bien entendu, et non pas n'importe qui. Et le cheikh, il dit que
il mentionne ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari Muslim qui dit que le sang d'un musulman n'est pas licite, excepté dans trois cas. Pour le premier cas, c'est, alaykoum salam wa rahmatullah, le premier cas c'est al-thayyib al-zani, c'est-à-dire une personne qui est mariée, puis qui fait le zina, et, ou une femme qui est mariée et qui fait le zina. Ces deux-là, leur sang est halal, c'est-à-dire c'est permis pour le dirigeant des musulmans de faire appliquer la peine sur ces gens-là parce qu'ils ont commis un zina. Le deuxième c'est un nafs bin nafs, c'est-à-dire quelqu'un a tué, et bien lui il se fait tuer, c'est ça la punition dans l'islam, ok, que tu as pris la vie de quelqu'un, donc la punition de ça c'est qu'on prendra ta vie. Et at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaa, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté l'islam, qui a apostasié la religion, sa peine c'est qu'il sera exécuté. Donc ça c'est trois cas. Et le cheikh il dit wa fi hadha al-hadith, hadha fi al-hadith fi iqtiran az-zina bil kufr wa qatl an-nafs wa nadhir al-aya fi al-furqan wa nadhir hadith ibn Mas'ud. Comme on a dit tout à l'heure dans le hadith dans le verset de sourate al-Furqan, on a montré que Allah avait placé le zina après le shirk et après le meurtre. Maintenant, on voit dans ce hadith-là la même chose. Il a placé le zina, il a parlé du kufr, il a parlé du zina en même temps que le kufr et le meurtre. Ok? Et bien entendu, celui qui tue ou celui qui fait le zina, il n'est pas considéré comme un kafir, toujours musulman, sauf que c'est considéré comme un musulman ou un mu'min qui est sincère, yani qui a une foi faible et qui est dans le péché, yani. Et non pas qu'il a quitté la foi à cause de ça. Excepté s'il a déclaré halal, s'il a dit « je ne crois pas que c'est haram, zina ». Celui qui dit ça et qu'il sait la vérité, il est kafir, parce qu'il a nié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, et le chef dit « وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكثت رؤوسهم بين الناس وحملت وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته على الزوج أدخل على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها. Le cheikh il a mentionné quelques exemples des méfaits du zina, ok, pour montrer que ça c'est en opposition à tout ce qu'il y a de bien dans le monde. Premièrement, la femme lorsqu'elle fait le zina, elle amène l'humiliation et la honte sur sa famille, sur son mari, sur ses proches, et à cause de ça ils vont avoir la tête basse parmi les gens, parce que tout le monde va dire voilà la famille de, ou le père de la femme qui a fait le zina, ou la femme de tel homme la femme qui a fait le zina, etc. Donc ça c'est, elle amène la honte sur sa famille, donc ça c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de qui va détruire les relations qui existent entre les gens de cette société-là et de cette communauté-là. Deuxièmement, si elle tombe enceinte de cet acte qu'elle a fait, du zina, ben, ça pourrait l'amener même à se faire avorter ou bien de tuer son bébé, le fœtus. Et donc, non seulement elle a fait le zina, mais elle a rajouté à ça un meurtre, parce qu'elle a tué un enfant. Bien entendu, bon, ça, c'est toujours relié ces deux affaires-là, parce que quand il y a le zina, souvent il y a l'avortement qui vient par la suite, hein. Et ça c'est, bien entendu, bon, il y a toujours la question, est-ce que c'est avant les 4 mois ou après les 4 mois,
parce que l'âme, est-ce que l'âme n'est pas encore rentrée dans le fœtus avant les 4 mois, mais toutefois, des fois c'est des situations compliquées. Surtout que, en tout cas, pour éviter de détailler trop, c'est juste pour faire comprendre que ça peut amener cette conséquence-là, puis ça c'est très mauvais. Ensuite, si la femme, elle tombe enceinte, mais qu'elle décide de garder l'enfant, donc, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer dans la famille de son mari quelqu'un qui n'en fait même pas partie. Et donc, ça va amener quoi comme conséquence? Ça va amener comme conséquence qu'il va hériter de cet enfant-là va hériter de cette famille-là, de cet homme-là, alors que c'est même pas son enfant. Et il va rester seul avec les femmes de cette famille, alors qu'il n'en fait même pas partie. Hein, il va être attribué à, on va dire, c'est l'enfant d'un tel, alors que ce n'est même pas son enfant pour de vrai. Et ça, ça peut amener aussi beaucoup d'autres conséquences négatives. أما الرجل وأما زنا الرجل فإنه يجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد امرأة المصونة المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. Lorsque l'homme fait le zina de son côté, eh bien ça amène à mélanger les lignées, les liens de parenté. Et également, comme conséquence négative, ça corrompt la femme qui est protégée, hein, et aussi, yani, ça corrompt la femme, etc., ça l'amène à toutes sortes de conséquences désastreuses, yani. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار وفي الآخرة. Donc il dit que ça, les conséquences de faire le zina, ça amène la destruction de la religion et de la dunya ensemble. Et il dit فكم في الزنا من استحلال من استحلال حرمات ووفاة حقوق ووقوع مظالم. يعني combien, quand on réfléchit sur les conséquences de la zina, on voit qu'il y a beaucoup dedans de droits et de choses sacrées qui sont pas respectées, et des droits qu'on doit donner aux gens qu'on leur donne pas ou qu'on leur enlève, et également des injustices incroyables. Également, il mentionne d'autres conséquences dans la dunya. Il dit وَفِي خَاصِيَّتِهِ أَنَّهُ يُجِبُ الْفَقْرِ وَيُقَسِّرُ الْعُمُرِ وَيَكْسُ صَاحِبَهُ سَوَادَ الْوَجْهِ وَيُرِثُ الْمَقْدِ بَيْنَ النَّاسِ. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène la pauvreté. Puis ça, on le voit dans les sociétés où il y a beaucoup de zina. Ça amène des enfants qui sont illégitimes. Ça amène de la pauvreté. Ça amène de l'ignorance, de la délinquance, parce que des enfants qui vont grandir sans parents, sans père, hein, donc ça peut amener comme conséquence ces choses-là. On a mentionné tout à l'heure les maladies que ça peut amener, hein, du fait que des gens commencent à répandre les maladies. Qu'est-ce que le chef a mentionné également? Ça diminue la longévité de la vie, ça diminue de ta de ta vie, yani. Et ça peut être expliqué de différentes façons, du fait que, par exemple, comme on a dit, les exemples que ça peut amener à des meurtres, que ça peut amener à des maladies, que ça peut amener à toutes sortes d'autres conséquences dans la société qui vont faire en sorte que ça va diminuer la longévité d'une personne. Également, ça amène les ténèbres, noirceur dans le visage de la personne qui le fait, et ça amène également la haine de cette personne-là. Tout le monde va détester cette personne, parce qu'on va savoir que parmi nous, il y a un homme qui atteint l'honneur et la dignité des autres. Donc ça, personne ne va l'aimer, allez, cette personne qui fait une chose pareille, tout le monde va le détester. Dans une société, dans une ville, dans un village, hein, quand on sait que des gens font ça. Ici, bon, le pays est tellement grand, il y a tellement de monde qui le font, que ça passe presque inaperçu, parce que
tout le monde le fait. Donc les gens s'aperçoivent pas de la laideur et de la gravité de qu'est-ce qu'ils font. Pourtant, il y a une époque, même ici, au Québec, où ces choses-là n'existaient pas. Ou bien ça existait, mais pas de la façon dont ça existe aujourd'hui. Parce que dans les lois, il y avait des règles qui interdisaient ces choses-là. Et quelqu'un ne pouvait pas habiter avec une femme, excepté s'il était marié avec elle. Hein? C'était pas accepté socialement que ces choses-là se passent. Si un enfant était né en dehors du mariage, il n'était pas reconnu par la loi. Hein? Beaucoup de choses qui faisaient en sorte que ces choses-là n'étaient pas socialement possibles. Et ça, ça fait pas longtemps, ça fait même pas 60 ans. Hein? Depuis, ils ont changé leurs lois, ils ont amené des nouveaux codes civils, ils ont aboli beaucoup de choses, ils ont remis plein de choses en question pour éloigner tout ce qui a rapport avec la religion, mais à la base, c'était toujours, ça retournait toujours aux règles des enseignements du christianisme, la société en général sur ces affaires-là. D'accord? Et c'est pour dire que comment leur société s'est dégradée, puis elle est devenue dans la situation dans laquelle elle est actuellement, puis comment à cause de la dégradation des mœurs dans les pays occidentaux, ça influence dans la dégradation des mœurs dans les pays musulmans, parce que tout ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est comme un reflet de ce qui se passe ici, parce que à travers les paraboles, à travers les médias, à travers tout ce qui est reflété dans les pays musulmans, tout le monde essaie de vivre et de suivre l'exemple de ce que les gens font ici. Donc, et sans oublier que les musulmans qui viennent vivre ici, qui amènent leur famille, leurs enfants ici, puis qui prennent ces habitudes-là, eh ben, ils les ramènent par la suite dans les pays musulmans. Donc, il y a ça. Puis, ensuite, le cheikh dit, وَمِنْ خَصِيَّتِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُشَتِّتُ الْقَلْبِ وَيُمْرِضُهُ إِنْ لَمْ يُمِتْهُ ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. Parmi les caractéristiques ou les choses qui sont spécifiques au zina comme conséquences négatives, il y a que ça brise le cœur, ça divise le cœur et ça le rend malade ou même ça peut le tuer. C'est-à-dire, on parle du cœur et dans le plan spirituel. Également, ça amène toutes sortes de dépressions, de tristesse, de crainte, de peur. Ça éloigne la personne qui le fait, les anges s'éloignent de lui. Et les diables se rapprochent de lui, les shayatin se rapprochent de lui. Donc le shaykh il dit, « فَلَيْسَ بَعْدَ مَفْسَدَةِ الْقَتْلِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَتِهِ » ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفشحها وأصعبها. Donc le cheikh il dit que étant donné que les conséquences du zina sont tellement grandes, le cheikh il dit que après les conséquences du meurtre, il n'y a pas de conséquences qui sont plus négatives et plus mauvaises que les conséquences du zina. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné comme punition pour ce crime-là, la punition qui est une des punitions les plus sévères et les plus dures dans l'islam, c'est-à-dire la lapidation. Ok? C'est-à-dire de tuer une personne en lui lançant des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à ce qu'elle meure. Et le cheikh il dit, « وَلَوْ بَلَغَ الْعَبْدِ أَنَّ امْرَأَتَهُ en حرمته قتلت كان اسهل عليه من ان يبلغه انها زنت. Le cheikh il dit que si on disait à une personne que sa femme ou une de ses femmes, sa fille ou quelqu'un a été tuée, c'est plus facile pour lui de le prendre et de le supporter que si on lui apprenait que sa femme a fait le zina. Hein, c'est-à-dire l'impact et la conséquence de savoir que sa femme a été tuée pour lui, ça va lui faire de la peine, ça va l'attrister, ça va le bouleverser,
Mais s'il apprend qu'il a fait le zina, c'est encore pire. Hein? Parce que là, c'est la colère, c'est toutes sortes d'autres sentiments qui vont rentrer, puis les conséquences de ça, c'est très grave, comme on l'a dit. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن متفق عليه. Donc le cheikh il dit que Sa'd ibn Ubadah, radiallahu anhu, ça c'était un des sahabis, c'était un des, je pense que c'était le chef d'une des tribus des Ansar, ok, et il était converti à l'islam, et c'était un homme qui était connu pour sa force et son courage, et il a dit, si je vois un homme avec ma femme, je le frapperai certes avec mon épée, et pas avec le plat de la lame, c'est-à-dire, je ne vais pas le frapper avec le côté de la lame qui est plat, mais avec le côté effilé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça. Il a dit, est-ce que vous êtes étonné de la jalousie et de l'honneur de Sa'd? Il dit, Wallahi, j'ai plus de jalousie et d'honneur que lui, et Allah a plus d'honneur et de jalousie que moi. Et à cause de la jalousie et de l'honneur que Allah a, il a interdit toutes les fawahish, c'est-à-dire les grands péchés, ce qui est apparent et ce qui est caché. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'était pour dire que, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à un homme de tuer, s'il trouvait sa femme avec un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le tuer. Tu rentres, tu vois ta femme avec un homme, et là tu dis, bon ça y est, je vais le tuer. Hein? Ou même quelqu'un pourrait penser, bon ça y est, je les tue tous les deux. Le professeur ça m'a interdit ça. Et quand Sa'd ibn Ubad a entendu ça, il a dit, moi si je trouve un homme avec ma femme, je vais le frapper avec l'épée. Et le professeur ça me dit, est-ce que vous êtes étonné de l'honneur de Sa'd? Hein? Moi j'ai plus d'honneur que lui, plus de jalousie que lui, et Allah a plus de jalousie que lui, et c'est pour ça qu'il a interdit les fawahish et toutes ces choses-là. Mais c'est pour montrer que Al-Ghayra, le fait d'avoir la jalousie et l'honneur, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de l'Iman. Aujourd'hui, les koufars, ils essaient de faire croire que c'est une maladie. Hein, et que c'est une sorte de faiblesse en l'homme. Hein, qu'il est possessif, hein, et qu'il n'a pas de confiance en lui, et que c'est pour ça qu'il est jaloux. Et toutes ces sortes de théories que les psychologues koufars ont ramené pour essayer de mettre des complexes dans le cœur des mu'minines à cause de ça. Mais soyez certains que, alhamdoulilah, d'avoir al-ghayra, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est pas un manque de confiance en soi, si c'est au contraire un des plus grands signes de la foi d'un mu'min. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est apporté par As-Sahihayn, il dit, Inna Allah yaghar, wa inna al-mu'min la yaghar, yaghar, wa ghayratullah, an ya'ti al-abd, ma hurrima alayh. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah, il a al-ghayra, yaghar, ok? Et le mu'min aussi yaghar. Et ça nous montre en même temps une réponse pour les mu'attila qui essaient de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils trouvent une attribut qui est attribuée à Allah et à la créature, ils nient l'attribut à Allah. Ou bien ils leur changent la signification et ils nient l'attribut. Ils disent, ça c'est par exemple, ça veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Nous, on dit, comme on dit ici, Allah est rare. والمؤمن يغار، okay؟ من غيرة الله، غيرة العبد، لا غيرة، l'honneur et la jalousie de l'homme et la jalousie de Allah، c'est pas pareil، c'est-à-dire on peut pas les comparer، d'accord؟ parce que Allah c'est Allah، il est parfait et il a une غيرة qui lui convient، qui convient à sa majesté، à sa perfection،
si l'être humain, il a une ghayra humaine qui est créée, qui lui convient à lui, qui n'est pas comparable à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça nous ramène à cette question-là, mais c'est juste un point en passant. Là, c'est pour nous faire comprendre que ça fait partie de l'Iman, et que même Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-ghayra, et que lorsqu'il voit que son serviteur fait ce qui lui a interdit, eh bien, il a une colère contre ça, et il a une ghayra contre ça, sa jalousie et son honneur. Parce que al-ghayra, il y en a qui le traduisent par le mot jalousie. Toutefois, al-ghayra, c'est plus que la jalousie. C'est pas seulement être jaloux. C'est une jalousie qui est accompagnée d'un sens de l'honneur. D'accord? C'est-à-dire de vouloir défendre quelque chose, de vouloir défendre l'honneur que tu as. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les gens qui n'ont pas de ghayra, il les a appelés, il a dit qu'ils sont ad-dayyus, ce sont des dayyus. Et le dayyus, c'est une des trois catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, en disant que c'est trois types de personnes qui n'entreront pas au paradis. Hein? La yadkhulu al-jannah thalatha, la yadkhuluna al-jannah. Hein? Il a mentionné al-dayyus, wa al-mutarajjilu min al-nisa, wa mudminu al-khamr. Il a mentionné trois types de personnes. Puis il y a une autre version de ce hadith qui mentionne une autre. C'est-à-dire, le al-dayyus, c'est la personne qui n'a pas de jalousie ou d'honneur pour sa famille, pour ses femmes en particulier. Ça ne lui dérange pas que de voir un homme avec ses femmes, hein, que des hommes regardent sa femme, etc., des choses de ce genre. Hein. Comme il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Il marche avec sa femme, avec ses cheveux dans le vent, et puis elle a des pantalons, elle montre son corps à tout le monde dans la rue, il n'a pas un atome de jalousie, un atome d'honneur dans son cœur pour ça. Hein? Les gens vont regarder sa sœur, sa mère, toute sa famille, ça ne lui dérange pas. Parce qu'il se pense évoluer, il dit « Ah, moi je suis comme les Français, comme les Canadiens, pas de différence. On est évolué, on est moderne. » Ça c'est pas le mot, mais tu penses comme ça. Hein? À la limite, c'est quelqu'un, soit que sa foi est faible, ou soit que c'est un ignorant, mais soit que c'est quelqu'un qui a une maladie dans son cœur, ou bien qui a une forme de néphar, ou bien qu'il est impuissant, dans le sens qu'il n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. Il le déteste dans son cœur, hein, il fait le minimum de la foi, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِلَّمْ تَسْتَطِعَ فَبِقَلْبِكَ. Si tu n'es pas capable de changer avec ta main ou avec ta langue, tu le détestes dans ton cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as donné le conseil à la personne. Tu lui as rappelé que ça, c'est haram, que c'est pas correct. La personne persiste à le faire et que tu peux rien faire pour le changer. Dans ce cas-là, c'est correct. Et donc, ça c'est la première partie du sujet. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à mentionner. Peut-être je... Ok, la deuxième personne, c'est la femme qui agit comme un homme et qui s'habille comme un homme. Et ça, c'est beaucoup dans notre temps actuel. Des femmes... Oui, le contraire aussi, c'est mentionné dans d'autres hadiths, mais dans ce hadith-là, c'est cet aspect-là qui est mentionné. C'est des femmes qui sont émasculées, hein. C'est-à-dire elles ont des tempéraments ou des attitudes masculines, hein, comme des hommes. Elles vont parler à voix haute, elles vont s'imposer, elles vont marcher en plein milieu du chemin, elles n'ont pas de retenue, ni de timidité, ni de gêne, hein. Elle pense que tout ce qu'un homme peut faire, elle peut le faire, non seulement qu'elle peut le faire, mais elle veut le faire, et elle va le faire aussi, hein, et que, et donc c'est ça, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de s'habiller même, elle va porter les mêmes vêtements,
hein, tu vois des fois même des filles qui voient, qui vont porter les mêmes styles de vêtements que des hommes, surtout là, dans les modes des jeunes là, hein, des vont porter les mêmes styles de running shoes, les soutes ou les autres habillements, hein, ils vont le, elles vont le porter elles aussi, elles vont parler de la même façon que des hommes. Et ça parfois même tu vois que des femmes musulmanes qui ont commencé à pratiquer l'islam, qui portent hijab, même qui portent niqab parfois, et qui ont encore ces, ces tendances-là et ces attitudes-là. Hein, elles ont des tempéraments comme des hommes. Et ça c'est parce qu'elles n'ont pas encore, elles n'ont pas, disons, elles ne se sont pas éduquées elles-mêmes à adopter une attitude réservée et disons, yani comme une femme, mais aujourd'hui, yani, déjà, non seulement qu'elles ne veulent pas agir comme, disons, une femme, mais elles veulent même remettre en question qu'est-ce que c'est d'agir comme une femme. Et elles vont dire, c'est quoi d'agir comme une femme? Parce qu'elles ne savent pas, hein, d'être, d'être timide, d'être gênée, d'être réservée, d'être faible. Hein, ça, c'est des qualités pour une femme. Mais pour certaines femmes aujourd'hui, c'est vu comme un défaut. Hein? Donc ça, c'est parce que leur fitra, elle a été atteinte, malheureusement. Et le troisième, c'est la personne qui est alcoolique, hein, qui persiste à boire toujours, toujours, toujours de l'alcool. Hein? Ça veut dire que ça, c'est des gens qui sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit qu'ils ne vont pas rentrer au paradis, ça ne veut pas dire qu'ils sont des koufars, comme on l'explique tout le temps. Sauf qu'ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il mérite cette punition-là. Ça c'est dans l'aqidah d'Ahl-Sunnah. Toutefois, il se peut que Allah leur pardonne, pour une raison ou pour une autre. S'ils se repentent, ou bien à cause d'une maladie qu'ils ont eue, ou d'un malheur qu'ils ont eu, qui a effacé de leur péché, ou bien à cause, par exemple, des bonnes œuvres qu'ils ont faites, qui ont dépassé qui ont effacé certains de leurs péchés aussi, parce que quand tu fais des bonnes œuvres, ça efface tes péchés, ou d'autres choses de ce genre. Toutefois, ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam de qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith-là. D'accord? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a mentionné ici un hadith qui dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain, il a dit dans le khutbah, une khutbah qu'il a fait dans la prière de Al-Kusuf, il a dit, innahu qal, ya ummata Muhammad, wallah, innahu la ahadun aghyar min Allah, an yazni abduhu, aw tazni amatuhu. Ya ummata Muhammad, wallahi, law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa nabakaytum kathiran. Thumma rafa'a yadayhi, wa qala Allahumma hal ballagt. Ça c'est un hadith qui est apporté dans le Sahihain, quand il y a eu une prière de l'éclipse, il y a eu une éclipse, et après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers le ciel et il a dit « Ola Umma de Muhammad, il n'y a personne qui a plus de ghayra que Allah lorsqu'il voit son serviteur ou sa, homme ou femme faire le zina. Ô Umma de Muhammad, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. » Et il a levé ses mains et il a dit, ô Allah, est-ce que j'ai transmis? Ok. Et il a mentionné également le hadith qui mentionne que le fait que le zina se propage dans la société, ça fait partie des signes du jugement dernier. Ok. Et donc, il mentionne ensuite des citations des salafs, comme par exemple la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit « Ma zahara riba wa zina fi qarya illa azina Allahu bi halakiha » Ça veut dire que Ibn Mas'ud a dit que lorsque riba, l'intérêt, les intérêts, et azina, l'adultère ou la fornication apparaissent dans une ville, eh bien Allah, quand ça arrive, Allah permet la destruction de cette ville.
Et donc, il y a beaucoup d'exemples de ce genre comme ça. Et donc, la punition pour l'adultère, un homme qui est marié, qui a des rapports sexuels avec une femme, c'est la mort, c'est-à-dire il va être puni par la mort, par lapidation, ok, qu'il soit un homme ou une femme, parce que vous voyez dans les médias, ils nous parlent toujours de la femme, hein, la femme qui se fait lapider, comme si les hommes ne sont pas lapidés eux aussi. C'est la femme et c'est l'homme, pas seulement la femme. Puis aussi, pour la fornication, c'est-à-dire si quelqu'un n'est pas marié, la punition c'est pas la même. Il va pas être lapidé. Si quelqu'un n'est pas marié puis qu'il a fait la fornication, il va être fouetté seulement. Il a 100 coups de fouet. Et il est expulsé de sa ville ou de l'endroit où il vit pendant un an. Ok, il doit quitter. On l'envoie en exil pendant un an. Ok. Donc ça c'est pour quelqu'un qui a fait la fornication, c'est-à-dire il n'est pas marié puis il a commis ce péché-là. Puis il y a beaucoup d'autres choses encore, mais on va laisser ça pour la prochaine fois. Puis il y a juste une chose que je voulais mentionner au sujet de qu'est-ce que il y en a certains qui ont appelé à faire un moratoire pour l'application des punitions islamiques et qui disent que il faut arrêter de faire appliquer ces peines-là et de faire un moratoire. Et donc ils disent par exemple il faut réunir les savants, les ulama et étudier tous les textes qui se rapportent à ces punitions-là, puis voir qu'est-ce qui est applicable, qu'est-ce qui n'est pas applicable, des choses comme ça, puis repartir à zéro, qu'est-ce qui n'est pas applicable, on l'enlève. Et y aller. En réalité, je me demande si la personne qui dit cette parole-là, elle est consciente ou inconsciente. Parce que les preuves et les textes du Coran et de la Sunna qui parlent de al-zina, eh bien, ils ont déjà été étudiés, analysés, expliqués par les ulama de l'islam depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Et donc, il n'y a pas besoin de faire ce moratoire-là pour arriver à cette soi-disant entente-là, et de prétendre que dans certains pays, dans certains endroits où les punitions sont appliquées, il n'y a pas toutes les règles de l'islam qui sont appliquées à la lettre 100%, et que si tous les aspects de l'islam ne sont pas appliqués, ben il ne faut pas appliquer les punitions non plus. Ça c'est complètement absurde, parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus appliquer aucune des punitions, aucune des règles de la religion, parce que ça voudrait dire qu'il faut que l'État ou le pays musulman soit parfait et qu'il n'y ait pas de péchés qui sont présents dans la société avant de pouvoir appliquer une des punitions de l'islam. Hein? Et il y en a qui ont dit bon, dans certains pays, la punition est appliquée sur des pauvres, elle n'est pas appliquée sur des riches, et donc à cause de ça, il faut arrêter l'application au complet. Et ça, c'est absurde. Hein? C'est comme dire, si on a juste appliqué à moitié, mais il faut arrêter de l'appliquer en entier. Au lieu de dire non, il faut pas l'appliquer, il faut pas l'arrêter au complet, mais au contraire, si elle est appliquée à moitié, il faut l'appliquer au complet. Hein? Et l'appliquer pour tout le monde, non seulement pour les pauvres, mais aussi pour les riches. Et de dire que ça s'applique juste sur les riches. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est vrai? Hein? Donc il y a beaucoup de choses comme ça que des gens répètent et que des gens disent maintenant, et de faire des moratoires sur des lois et tout ça. Comme Tariq Ramadan, qui a appelé à cette affaire-là. Il a parlé de ça quand il a eu son débat avec Sarkozy en Europe, et Sarkozy lui a lancé des flèches, il lui a lancé une dernière flèche comme ça, pour le prendre au piège, devant tout le monde. Et lui, il n'a pas su comment répondre de façon correcte, parce que, bien entendu, il a toujours son langage de politicien devant les non-musulmans. Donc, Allah al-Musta'an, que Allah nous protège de toutes ces fitanes. Et il y a le Cheikh Fawzan qui a réfuté à tous les arguments et toutes les objections des koufars qui prétendent que c'est barbare et que c'est une punition dure et que c'est pas bon et tout ça. Il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Arhamur Rahimin.
Et il a expliqué qu'en même temps, ces koufars-là, ils ont uniquement de la miséricorde pour les prostituées, pour les criminels et pour les voleurs. Mais pour les gens de bonne famille, pour les gens qui veulent être protéger leur honneur, ils n'ont aucune miséricorde pour eux et ils ne pensent pas au bien de la société en général et toutes les conséquences négatives de ces affaires-là. Ils pensent juste aux criminels. Hein, ils ont juste de la miséricorde pour les criminels. Donc qu'Allah nous protège de l'égarement de ces gens-là. Puis, comme je dis, il y a beaucoup de choses à discuter dans ce sujet-là. Il faudrait que ce soit, c'est-à-dire un cours qui va essayer de rentrer plus en profondeur dans la question du mariage, pas juste parler du mariage et des règles, mais de vraiment voir les problèmes qui existent parmi nous, essayer de voir est-ce que c'est possible de les régler, de voir les réponses du Coran et de la Sunna à ces problèmes-là. Parce que c'est pas normal qu'on soit dans la situation dans laquelle on est, puis qu'on ait des difficultés aussi grandes à ce que les gens se marient ou non. Hein? Une question. Non. Donc, le frère Hassan, il a posé une bonne question, et c'est si on est dans un pays où la punition islamique de la lapidation, elle n'est pas appliquée. Ok? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelqu'un a fait le zina, ok? Puis il n'y a pas de punition islamique qui est applicable dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les ulama, ils ont répondu à ça. Et en fait, ils ont dit que si quelqu'un a fait le zina, ok, et que personne l'a vu, il n'y a pas eu de témoin, hein, et qu'il ne s'est pas fait prendre en train de faire ce péché-là, il ne doit pas le dire à personne. Il doit garder ce péché-là entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il doit se repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est ça ce qu'il doit faire. Il n'a pas à, par exemple, comme certains, dire « Ah, il faut que tu t'en ailles en Arabie Saoudite, puis il faut peut-être dire aux gens que tu as fait l'adultère qu'ils te lapident. » Non. Tu gardes ton péché entre toi et Allah, puis tu demandes pardon, puis tu cesses de le faire, puis tu te repens sincèrement. D'accord? Donc c'est ça. Parce que, yani, tant que Allah subhanahu wa ta'ala a caché ton péché, eh bien tu dois le garder caché. D'accord? Et donc ça, c'est ça ce que Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu quand on lui avait posé cette question-là. Ok, puis même si tu es dans un pays musulman où la peine est appliquée aussi, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé d'aller te dénoncer, de dire que tu l'as fait. Toutefois, si tu t'en vas, puis tu attestes quatre fois, tu dis oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça quatre fois, ça va être retenu, puis là, après, le juge va décider par la suite. Et puis il y a beaucoup de règles, hein, il y a beaucoup de détails à cette question-là. C'est pas aussi simple que les gens s'imaginent. Il y en a qui disent même que c'est impossible, hein, comme l'autre Tariq Ramadan, comme on disait tout à l'heure. Ils disent c'est tellement difficile de l'appliquer, il y a tellement de conditions que c'est presque impossible. D'accord? Mais là, c'est encore exagéré. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles à voir. Il faut qu'il y ait quatre témoins, il faut qu'on ait vu l'acte explicitement. Faut pas que ce soit juste supposition. Si tu vois un homme avec une femme nue dans une pièce, ça veut pas dire que ça y est, ils ont fait le zina. Il faut que tu les aies vus en train exactement de le faire. Hein? Et il y a beaucoup d'autres conditions aussi. Donc c'est comme on dit, oui, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Hein? Et donc c'est pour ça. Mais toutefois, comme je dis, si quelqu'un a été caché par Allah subhanahu wa ta'ala et que personne n'a su, et bien dans ce cas-là. Sinon, si des gens l'ont vu, bon, ici dans un pays comme au Canada ou en Amérique ou ailleurs en Europe, c'est même pas considéré comme un crime ni comme un péché. Donc même si des gens te voient, ils vont même pas, si c'est des koufars, ils vont même pas considérer ça comme étant quelque chose de mal,
puis si c'est des musulmans, bien entendu, c'est quelque chose de mal, ils vont le savoir, puis ça c'est sûr que ça va avoir des conséquences négatives pour toi. Dans ce cas-là, tu dois bien entendu te repentir quand même, mais ils peuvent rien faire d'autre que ça. C'est pas permis pour des gens de prendre les directives par eux-mêmes, puis de décider, ah, on va lapider un tel parce qu'on l'a vu faire un péché. En Irak, le crime d'honneur. C'est, en fait, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. C'est une fille chiite de la secte des Zaydiya. Ils ont vu leur fille avec un sunni, soi-disant un sunni. Et donc, ils ont dit qu'elle s'est convertie au sunni. Ça vous montre que, hein, on dit que les Zaydiya, c'est parmi les sectes des Shi'a la plus proche de Ahl-Sunnah. Imaginez, si c'est la plus proche d'Ahl-Sunnah et qu'ils ont tué leur fille parce qu'ils l'ont vu avec un sunni, donc imaginez les autres sectes des Shi'a qui sont plus loin d'Ahl-Sunnah que les Zaydiya. Hein. Donc ils ont voulu la tuer parce qu'ils l'ont vu avec un sunni. Et ils ont dit qu'elle s'est convertie, hein, comme s'il avait changé de religion. Hein. Et non seulement ça, il a accusé bien entendu d'avoir Felzina, mais pour eux le pire, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle se serait convertie. Elle a dit non, je ne suis pas convertie. Malgré tout, ils l'ont pris au plein milieu de la rue, puis ils lui ont lancé des pierres, puis ils l'ont tué. En gros, bien. Ils l'ont donné des coups de pied, puis lancé des pierres, puis ils l'ont tué. Et ça, il n'y a pas de doute que ça, c'est haram, comme on a dit. C'est pas à des individus qu'on décide d'entre nous d'appliquer les peines de l'islam. Couper la main des voleurs, lapider les gens qui font l'adultère, ou bien tuer les apostats, ça c'est aux dirigeants des musulmans, celui qui est le dirigeant officiel d'un pays musulman, s'il applique ces peines-là, c'est à lui de le faire, ou au juge, mais non pas à chaque n'importe qui parmi les individus, parmi les musulmans. Et dans un pays comme un pays non musulman, eh bien la même chose, ça ne peut pas s'appliquer. À moins que les musulmans ont dans ce pays-là une autonomie qui se dirige eux-mêmes, hein, comme c'est par exemple si les musulmans avaient leur propre région avec leurs propres lois, puis ils se dirigeaient par eux-mêmes indépendamment du gouvernement des non-musulmans, puis qu'ils ont leur propre dirigeant dans cette région-là, puis qu'ils gèrent leurs affaires entre eux tout seuls, sans que les koufars s'ingèrent dans les affaires des musulmans, dans ce cas-là, ce serait différent. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ça s'applique pas. D'accord? Donc, on va s'arrêter avec cette question-là, puis on continuera une autre fois.